J'espère que vous allez très bien et moi ça va. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment un cours que nous allons faire, mais nous allons nous entraîner un peu à la lecture des temps parce que je vous ai dit que c'est quelque chose de très important dans la langue Ewondo. Donc nous allons nous entraîner un peu à lire les temps, mais après, ce sera à vous de faire cet exercice quasi quotidiennement. Ça vous permettra, n'est-ce pas, de réviser comme là vos voyelles, mais en plus d'apprendre, d'intérioriser cette notion-là de hauteur dans la voix. Vous êtes prêts? On y va. Alors, cet entraînement, il est simple. On a des syllabes et on a chacun des cinq temps au-dessus de cette syllabe. Je vais faire quelques lignes et puis ce sera à vous de vous entraîner quotidiennement, comme j'ai dit. Ça vous permet de retravailler, n'est-ce pas, vos voyelles aussi. Donc, on y va. La, d'en haut. La, la, la. Je reviens. La, d'en haut. La, d'en moyen. La. La, d'en descendant. La, d'en montant. Si je faisais toute la ligne, ça nous donnerait. La, la, la. La, la. Li, li, li. Li, li. Li, li, li. Li, li. Lo, lo, lo. Lo, lo. Lo, lo, lo. Lo, lo. Le, le, le. Le, le. Vous vous rappelez de notre choix, d'accord? Il nous donne le son E. Donc, moi j'ai fait les quatre premières lignes. Je ne vais pas faire les autres lignes, ce sera à vous de le faire. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à apporter des suggestions ou à simplement poser des questions. Je serai là pour vous répondre. Je vous souhaite un super apprentissage et on se voit très bientôt pour la prochaine vidéo.